m'appelle Tutino Lega, j'ai 22 ans et je suis arrière. Donc j'ai commencé à Paris, dans le 18e. Le club il s'appelait PB18. Et ensuite j'ai enchaîné en centre de formation à Mondeville. Et là, à partir de là, je suis restée 6 ans là-bas. J'ai fait ma formation et ensuite j'ai intégré l'équipe pro. Et aujourd'hui, je joue pour Charleville. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses par rapport à ce club. Au niveau des résultats, et j'ai bien compris qu'ici c'était ambiance familiale. Donc j'aime bien ça, j'ai toujours connu ça, que ce soit à Paris, à Mondeville. Et là, je reconnais ça à nouveau, donc moi ça me va très bien. Le coach, j'ai entendu beaucoup de choses sur lui aussi. Et voilà, maintenant mon choix, il a été plus orienté ici parce que le coach et le reste m'ont montré qu'ils voulaient vraiment que je progresse avec vous ici. Et ça m'a vraiment plu, donc j'ai même pas cherché à comprendre, mais signé ici. Tutti Gandega, une joueuse qui vient au poste arrière. L'idée pour nous, vraiment le gros avantage, c'est de pouvoir la faire jouer directement en relais des numéros 1. Elle est vraiment placée entre les numéros 1 et les joueuses qui sont plus extérieures, arrière, ailière. Quelqu'un capable de défendre très très fort tout terrain. Elle jouera de temps en temps peut-être en relais à la main, mais très très peu, sachant qu'on va repositionner Dimitrova en rotation unique de Boudera sur le poste 1. Donc Tutti va vraiment être l'intermédiaire entre les meneuses de jeu et le secteur extérieur. On attend beaucoup d'elle. Même chose dans la complémentarité par rapport aux joueuses qui vont rester, notamment Yacine, Clémentine. Arriver à aider les meneuses de jeu dans l'acheminement du ballon et notamment dans le pressing tout terrain au niveau des défenses. Personnellement, ça a toujours été la même chose chaque année, c'est de travailler sur mon shoot extérieur pour apporter à l'équipe. Et collectivement, déjà, dès cette année, ne pas faire tâche. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui a quitté cette équipe. Donc, m'intégrer et faire comme si j'ai toujours joué avec les joueuses qui ont été là, en fait. Et en tant que joueuse, on peut compter sur moi. Dans n'importe quelle situation, que ce soit on perd un match de 1 point, qu'on gagne de 10 points, je serai toujours concentrée, je serai toujours là pour mes coéquipiers.